Oula, ça va vite. Oula. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh là, oh, ben alors. Allez vite, faut pas le lâcher, Andraya. Alors ça. Fantastique. Oh, il était génial ce jeu, Enzo. Ah ouais, mais il était ridicule l'utilisateur. Il n'avait aucune chance contre nous. Et qu'est-ce que c'était que ce numéro? Allez, faut prévenir Souris et Dottie. Attends, où est l'équipe de récupération? Elle aurait déjà dû venir nous chercher. Cette équipe a été retardée. Megabyte. Ce n'est pas la peine de t'énerver, petite. Je veux juste parler au petit gamin. Alors, j'écoute. J'ai un message pour ta sœur. Je suis un gardien, je ne suis pas un coursier. Tu es ce que tu as toujours été, un simple petit coursier. Ne cherche pas à me provoquer, c'est simplement grâce à moi si tu as pu survivre à cet affrontement. Tu aurais intérêt à ne pas l'oublier. Écoute-moi bien, petit. Et il a dit qu'on était peut-être en sécurité ici, derrière les boucliers du bureau principal. Mais les citoyens de Mainframe sont en défense. Il a dit qu'on se cachait pendant que les autres souffraient et qu'il allait s'assurer de les faire beaucoup souffrir. Merci, Andraya. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, gardien? Arrête, commence pas. Je ne suis pas un gardien. Je suis un petit esprit, un simple coursier, le messager de Megabyte. Enzo, Megabyte aurait pu nous annuler, mais il ne l'a pas fait.
Et c'est pire. Je comprends maintenant. La propagande, comme il dit. Faut pas baisser les bras. Il faut lutter. Mais on peut pas gagner. Regarde. Oh. Alors Megabyte a gagné. Il a vaincu le défenseur de ce système, et avec des mots. Heureusement que Bob ne peut pas voir ça. Bob ne se cacherait pas pendant que Megabyte attaquerait. Un gardien devrait trouver un moyen de l'arrêter, un moyen de l'enfermer. C'est Megaframe qui devrait être prisonnier, pas nous. Eh bien, je suis d'accord. Il a été absolument fabuleux. Mettez le tigre en cage et vous pourrez marcher librement dans la forêt. Un mur de feu, ou plutôt un mur de feu inverse. Exactement, ça pourrait marcher. Attendez une petite seconde, temps mort, qu'est-ce que vous racontez? C'est Enzo qui a eu l'idée, je reconnais que c'est extrêmement brillant, bravo jeune gardien. C'est vrai? Je veux dire, c'est vrai? Merci Fong. Non. Oh. Alors, ma chère sœur, comment se sent-on aujourd'hui? Faible. Oui, très faible. Aide-moi, s'il te plaît. Mais bien entendu. Oui. Je vois que ça va beaucoup mieux. Je te déchirerai en morceaux quand je serai libérée de ce collier. Cette pensée devrait m'aider à guérir, mon cher frère. Nous avons déjà entendu ça. Cher docteur, le moment est venu. Absolument pas de problème. Hexadécimal est réparé, complètement rechargé et totalement sous votre contrôle. Alors, finalement, j'ai le pouvoir d'écraser tous ceux qui se dresseront contre moi. Prépare le transport jusqu'à la salle d'exploitation. Il est temps de mettre mon nouveau jouet au travail. Baissez la manette et préparez l'arme hexadécimale au combat. Et voilà Fong. Voici Hugh Branch. C'est un de nos meilleurs techniciens. Il a travaillé sur le problème du mur de feu. En réalité, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Nous sommes arrivés à ceci. Nous appelons ça un propulseur. Il dirige l'énergie d'une source à une autre. Alors, en plaçant des propulseurs autour de G' dans tous ces endroits précis, nous aurons la possibilité de... Début de partie. Enzo, il va participer au jeu. Souris, Dot, faites attention, s'il vous plaît. Attention, début de partie. Attention, début de partie. Position? Ah d'accord, on est au dernier niveau. Et l'utilisateur doit s'échapper vivant de cet endroit pour gagner. Ça ne semble pas trop difficile. Comment on peut arrêter l'utilisateur? Enzo, tout va bien? Oui,
Oui, tout va bien. Tout ce que j'ai à faire, c'est retrouver ma confiance. Il est là! Regardez, il est là! Allons-y! Denzo! Oh, bravo, il manquait plus que ça au tableau. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le gardien n'est qu'un petit gamin! Ce petit esprit n'est pas un défenseur du système! Il porte encore des couches à son âge! On en a assez, Denzo! La critique est aisée. Hugh et son équipe ont presque fini. Où en êtes-vous? On avance. J'ai programmé mon plan de vol et j'ai branché un autodétonateur. Ne t'inquiète pas, on va ramener Enzo et Andrea à la maison sains et saufs. Tu as intérêt à faire attention. Si les virus te repèrent, ils te pulvériseront. Mais non, ils ne me repéreront pas. Ou alors, il sera trop tard. Une émeute, c'est toujours assez monstrueux. Mais il est énorme, ce chien! Frisquette, au moins je me sens aimée avec toi. Cyrus, on sait que tu travailles pour Megabyte. Oui, c'est vrai. Et tu essaies de monter toute la ville contre moi. Oui, enfin non, je veux dire non. Au contraire, c'est... Écoutez, si on ne travaille pas ensemble, l'utilisateur gagnera et nous serons tous annulés. Allez, gardien, on y va. Reboot! T'es folle des motos ou quoi? Tu sais que tu es fantastique. C'est Matrix. Gardien Matrix. En fait, je me sens mieux maintenant. Tu n'es pas rebooté, toi? Je sais pas comment faire, moi j'ai jamais essayé. Il suffit de cliquer deux fois sur l'icône et de dire le mot magique. Facile. Reboot. Non, pas ça. Bravo, occupe-toi de l'utilisateur. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Oh, parfait. On a tellement rarement l'occasion de tester nos inventions dans les véritables conditions du terrain. Oh, oui, qu'est-ce que ça veut dire, tester?
Je ne vous ai pas expliqué. Tout ça, c'est de la théorie. Si nos études sont exactes, ça devrait marcher. Si, de vrai. Si ça ne marche pas, le bouclier du bureau principal sera débranché et la ville sans défense. Oh, oui, effectivement, il y a un hic, et tant pis. Espérons que ça va marcher. Dans l'intérêt de tous. Hé, je suis là. Et viens me chercher, petit. Bravo, Frisquette. Hâte ! Tu fais tout ça par choix personnel ? Je me dois de respecter mon code. Respecte-moi, moi aussi, oh, regarde ! Oh non ! L'utilisateur a un jet. Il essaye de filer par cette ouverture. Il faut absolument l'arrêter. Frisquette ! Oh mon Dieu, Frisquette, ce n'est pas le moment de jouer ! Cyrus, je n'y arriverai pas tout seul. Il faut absolument que tu m'aides. Tu as besoin de mon aide ? Tu me fais confiance après tout ce que je t'ai fait ? Comme je te l'ai dit auparavant, je ne peux pas aller contre ma programmation. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse, gardien ? Avec un peu de chance, l'utilisateur va régler le compte du gardien. Sinon, il sera le premier à tomber sous les lois d'un nouveau système. Préparez les troupes ! À vos ordres, patron ! Baissez le levier ! Plus vite ! Emmène-moi sous l'aile maintenant ! Toi, tu ne me sers à rien. Ah, c'est pas sûr. Ah, j'ai peur. Je suppose que c'est maintenant qu'il faut dire aïe, aïe, aïe. Je n'aurais jamais juré que je pourrais te sauver la vie un jour pendant une partie. Tu as sauvé notre gardien et tu l'as aidé à vaincre l'utilisateur. Toi aussi, tu es un héros. Merci. Un héros ? Moi ? Cyrus ! Hack, Slash, emmenez-moi ce traître. Je m'en occuperai plus tard. Hé, laissez-le tranquille ou je vais me fâcher, c'est compris? Gentil le petit chien. Rappelle ton chien, petit. Maintenant que je contrôle le pouvoir d'hexadécimal, personne ne peut s'opposer à moi.
Tu as osé? Tu as fait ça à ta sœur? Oh. Oui. Oui, intéressant, n'est-ce pas? Tu es un vrai malade, Megabyte, et je jure que je ferai tout pour t'éliminer. Je suppose que je dois prendre ça pour une menace. Dans ce cas, adieu. Quoi? Propulseur en place, mur de feu prêt. On attend tes ordres, gardien. Glitch, mur de feu. Reculez! Reculez! Hey! Lâchez-moi! Oh, n'est-ce pas fantastique? Quelle équipe de... Maintenant, c'est le piégeur qui est piégé.